Provocateur de conscience de mon état, chers artistes qui avaient été invités par Bachirou Pro. Si vous ne donnez pas la force à ce gars, vraiment, on nous a maudit dans le pays. Quoi? Provocateur de conscience de mon état, chers artistes qui avaient été invités par Bachirou Pro. Si vous ne donnez pas la force à ce gars, vraiment, on nous a maudit dans le pays. Vous voyez le gars ici? Vous voyez le gars ici? Si aujourd'hui, vous voyez tous les petits comédiens là, les artistes du Cameroun, ont commencé à monter sauvagement sur Dubaï, voyez ce qu'il faut d'abord appeler ici. Mes chers amis, il s'appelle Bachirou. Le sapé les boys. Il s'appelle Bachirou. Le sapé les boys. À l'époque, mes bébés, pour qu'un artiste camerounais se retrouve ici au Tchad, ou en Centrafrique, ou au Gabon, c'était comme à l'époque des mythes et des mythologies. C'était comme dans les films de Zena. Tu comprends? Le gars s'y a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu vois tous les enfants, les tics d'Engle et Claudio, ils sont déjà partis à Dubaï avant moi. À cause du gars, s'il a vulgarisé la route de Dubaï, tout le monde peut venir à Dubaï, mon frère. C'est lui le créateur du concepteur de ce qu'on appelle Dubaï Tour. Il a déjà fait voyager au moins 80 artistes camerounais pour aller à Dubaï prester. Yeah, Mali. Je vous dis que le gars a fait voyager les artistes dans ce pays comme les arachides. Tout le monde partait lui à Dubaï. Vous avez vu à un moment donné, chaque petit artiste quelque part ici au Cameroun, nous montait seulement une photo de son passeport à l'aéroport, il partait lui à Dubaï, se filmer avec les oiseaux, les faucons, les aigles, les tigres, les dragons. Non, on peut pas. Tu as fait voyager tes frères, tu comprends, non? Tu as vulgarisé la route de Dubaï. Aujourd'hui, quand quelqu'un part à Dubaï, il poste même, on ne regarde même plus trop. Hein. Il faut arriver le tout aussi aux États-Unis, en France. Parce que tu as dit aux gens que Dubaï, c'est moi. Je vais contrôler ça. Moi, ça, je suis le seul conseil que j'ai. Dubaï a signé un nouvel accord avec Popole. Il nous a même pas dit, mon frère. Je vois seulement les Claudio, les Tigre d'Anga. Vous connaissez Tigre d'Anga, non? Celui qui peut tuer un. Pardon, ne crie pas sur moi. Les Zizou, les Cabernet d'Anjip, les Malance le Vibe, Happy de Souza, Happy de Foulan, Abelo Jazz, Mr. Leo. Je vais citer même qui, je vais laisser qui, non, dis donc. Longa, longa. Yeah! Le gars qui est touriste là, qui part dans tous les dents manger avec les plastiques là, on l'appelle comment? Des fois premier. Yeah, Malé. Ah, petit bozard. Je vais citer qui, je vais laisser qui. Elle s'appelle les boys. Non, tu as fait voyager les artistes de ce pays. Tu comprends, non? À un moment donné, je suis resté comme ça, monsieur Josque. Vous savez que le type, s'il n'est pas dans une loge où on lui a conditionné que chaque deux mois, s'il ne fait pas monter un artiste du Cameroun, ses membres vont disparaître. Quoi? À un moment donné, je suis resté comme ça, monsieur Josque. Vous savez que le type, s'il n'est pas dans une loge où on lui a conditionné que chaque deux mois, s'il ne fait pas monter un artiste du Cameroun, ses membres vont disparaître. Vous savez que ça appelle les boys. Bachirou n'est pas compliqué. Il prend l'argent où? Il ne paye qu'à rien. Parce que, mais bébé, vous connaissez ce qui m'énerve dans tout ça? Quand je vois ce que Bachirou a fait pour le Cameroun, quand je compte le nombre d'artistes que le gars a fait voyager à Dubaï, même des artistes qui n'ont même pas vraiment les talents là. Quoi? Quand je vois ce que Bachirou a fait pour le Cameroun, quand je compte le nombre d'artistes que le gars a fait voyager à Dubaï, même des artistes qui n'ont même pas vraiment les talents là. Parce qu'il y en avait qui avaient vraiment le talent qui était méritant, il y avait l'autre qu'on faisait seulement voyager pour vendre le rêve. Quoi? Parce qu'il y en avait qui avaient vraiment le talent qui était méritant, il y avait l'autre qu'on faisait seulement voyager pour vendre le rêve. Et c'est entré. Quand je compte les artistes que le gars a fait voyager, quand je vois les événements qu'il a organisés à Dubaï, il a vulgarisé la ligne de Dubaï, tous les petits enfants que vous voyez voyager aujourd'hui là. C'est Bachirou qui leur a montré que le rêve est possible. Travaillez seulement et vous pouvez atteindre vos objectifs. Quoi? C'est Bachirou qui leur a montré que le rêve est possible. Travaillez seulement et vous pouvez atteindre vos objectifs. Mais ce qui me nerve dans tout ça, mais bébé, c'est que tous les artistes qu'il a soutenus, ils sont tous des ingrats. Tu comprends, non? Quoi? Mais ce qui me nerve dans tout ça, mais bébé, c'est que tous les artistes qu'il a soutenus, ils sont tous des ingrats. Ils sont tous des ingrats. Ils sont tous des ingrats. Non, mais bébé, c'est blessant. Tu comprends? C'est blessant. Tu comprends? C'est blessant. Tu comprends? Pause publicitaire. Voilà, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter cette nouvelle structure au nom de Yoko Service. C'est quoi Yoko Service? Yoko Service est une nouvelle structure spécialisée dans le laboratoire photo. Donc pour tous ceux-là qui veulent imprimer les photos dans leur téléphone, si les téléphones sont saturés, vous voulez laver vos photos, venez rapidement à Yoko Service. Si vous avez un problème de banderoles, si vous voulez imprimer vos banderoles, vos flyers, vos calendriers, vos faits-pas, si vous avez besoin de concevoir les billets d'invitation pour vos événements, mariage, baptême, anniversaire et autres, vous désirez faire des impressions sur des t-shirts un peu comme le général Franco, comme vous voyez là, Franco le mignon, venez tout simplement à Yoko Service, c'est la solution. Yoko Service est situé à Yaoundé, Ngousso, juste à 100 mètres la totale sur la route des Leveurs. Appelez rapidement le contact, il s'affiche pour avoir plus d'informations. Chez les Arabes là-bas, les pays compliqués, hein? Les pays compliqués. Ouais, les amis, chez les Arabes, c'est dur. Il se bat, il fait monter les artistes. En tout de rond, vous venez prendre 2 millions, 3 millions, 4 millions. Maintenant, regardez-vous la honte. Quoi? Il se bat, il fait monter les artistes.
En tout de rôle, vous venez prendre 2 millions, 3 millions, 4 millions. Maintenant, regardez vous-même la honte. Bachirou, la femme du pays, promoteur culturel, organisateur d'événements en bain, qui a favorisé que son pays. Bachirou a fait beaucoup plus venir des artistes camerounais que d'autres pays à Dubaï. Que quoi? Bachirou, la femme du pays, promoteur culturel, organisateur d'événements en bain, qui a favorisé que son pays. Bachirou a fait beaucoup plus venir des artistes camerounais que d'autres pays à Dubaï. Ah bon, hein? Quand je vois ce que Bachirou a fait pour le Cameroun, quand je compte le nombre d'artistes que le gars a fait voyager à Dubaï, même des artistes qui n'ont même pas vraiment les talents là. Mais ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que tous les artistes qu'il a soutenus, ils sont tous des ingrats. Tu comprends, non? C'est que tous les artistes qu'il a soutenus, ils sont tous des ingrats. Tu comprends, non? Parce que ce que je dis tous les jours, c'est très pertinent. Quand je dis aux gens que j'aimerais, quand je dis aux gens que je suis, de ma posture, je me suis donné ce nom de provocateur de conscience, c'est parce que je fais des tests tous les jours. Mais, sauf que je n'ai pas encore testé ça de la mauvaise manière. Je fais toujours des tests positifs. Mais, sauf que je n'ai pas encore testé ça de la mauvaise manière. Je fais toujours des tests positifs. Pour pouvoir savoir si ça peut marcher. Okay. Je suis resté un jour sur la page, j'ai observé Bachirou Productions, qui était un événementiel du côté de Dubaï. Je vois comment tout le temps il fait monter les artistes, tout le temps, et ils prennent beaucoup plus les artistes camerounais. Je vois tout le temps c'est les artistes camerounais, c'est les artistes camerounais. Et une fois, il a fait monter une vague de blogueurs. J'ai dit, c'est incroyable. Aujourd'hui, on peut créer des vidéos, s'asseoir avec le téléphone, faire des vidéos, et puis se retrouver à Dubaï, en France, aller à Paris et tout ça. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est un métier. On peut bien structurer le secteur d'activité, là, et puis ça peut donner, si on le canalise bien. Et puis, je viens sur ma page, j'écris Bachirou Productions. Tu invites tout le monde à Dubaï, tu n'invites pas le Fédérateur National du Cameroun. Et puis, je viens sur ma page, j'écris Bachirou Productions. Tu invites tout le monde à Dubaï, tu n'invites pas le Fédérateur National du Cameroun. Hein, papa? Hein? C'est comme ça que je m'en vais dormir. Dès que je me réveille, je vois comment Bachirou m'a laissé tout un tas de messages. Il m'a dit, mon frère, vraiment désolé, j'ai vu comment tu as fait une vidéo sur moi, vraiment. Tu sais, moi, je fais ma part pour le Cameroun, j'essaye d'élever les artistes. Tu sais, quand un artiste entre dans l'avion, ça augmente sa côte. Moi, j'essaye à mon niveau de valoriser. C'est important de... Tout le temps. C'est vrai que c'est avec beaucoup de pertes. J'ai vu ton message. Tu as un passeport. Il dit, oui, c'est comme ça qu'il me dit. Fais la photo de ton passeport, tu m'envoies. Je fais la photo de mon passeport, j'envoie. Il me dit, bon, je vais envoyer à quelqu'un. S'il approuve, tu viens sur Dubaï. Là, il me dit, je vais envoyer ton image à quelqu'un qui est un de mes sponsors à Dubaï, qui est un grand chef d'entreprise, que je ne vais pas citer ici pour éviter. Hein, il me dit ça. Et s'il accepte le sponsoring, de m'accompagner dans le sponsoring de ton déplacement, pourquoi pas? Je te déplace pas pour que tu viennes faire une prestation, pour que tu viennes faire de l'humour. Je te déplace juste pour que tu viennes te balader à Dubaï, tu te filmes, tu vas voir les gratte-ciel, tu vas à la piscine. Pause publicitaire. Pour tous ceux qui sont en couple, ou bien pour tous ceux qui sont mariés et qui ont les difficultés de conception, contactez le docteur Moringa. C'est pas vrai. C'est vrai. Le docteur Moringa était un naturopathe, le meilleur de sa génération. Ah bon? Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorcie, syphilis, hépatite virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. Ok. C'est comme ça que je lui ai envoyé mon passeport. Il a fait sortir mon visa, il m'a envoyé. Et la veille du jour du voyage, il m'a envoyé mon billet d'avion, c'est comme ça que je suis à la Dubaï. Hein? C'est quoi cette affaire-ci? Je comprends pas. Vraiment, je suis étonné. Pardon, faut m'expliquer. Je comprends pas. C'est comme ça que je lui ai envoyé mon passeport, il a fait sortir mon visa, il m'a envoyé. Et la veille du jour du voyage, il m'a envoyé mon billet d'avion, c'est comme ça que je suis à la Dubaï. C'est grave. Bachirou Prod, toujours la pièce maîtresse du puzzle. J'arrive. Abu Dhabi, le 29, je serai là avec ma coco arabe. Bachirou, je suis en route, j'ai appris mon vélo, je suis en train de pédaler. Abu Dhabi, je serai là avec ma coco arabe. Il y a le petit gars qu'on appelle Franco là, c'est un petit qui est trop têtu. Franco le mignon, je lui ai dit qu'il doit prendre les coups. Oui. Être un influenceur, ça doit avoir des codes. Oui. Ça doit défendre. Ça doit défendre les causes sociales. Mouton, oui, Mouton, tu viens d'arriver. Oui. Pose-toi, on aura le temps non, de parler de temps... Non, je ne peux pas me poser avec Franco. Franco, c'est un gars que normalement quand il rentre, il donne un acte. C'est un grand frère qu'il faut qu'il se calme. Donc, il faut que Bachirou Prod organise un combat
singulier entre mouton mouton. Je pars chez lui, je pars chez lui et je l'arrête de le frapper. Tu lui tapes. C'est aussi simple que ça. Ok, let's go, let's go, let's go, let's go. Ok. Ok. Yeah. Bon, voilà ton personnel qui te récupère rapidement. Je suis un peu abattu quand je me rends compte qu'on a, la capacité de faire peut-être ça même fois 10 et que chez nous, c'est pas ça. C'est frustrant. Donc, sachez que votre mouton que je suis s'est fait frustrer une fois. Dans sa vie, j'ai été frustré. Ouais. Je suis frustré. Longue, longue, man for Ayo Africa, le papa, le padre, le libérateur national. Rebecca, quand j'ai vu ta vidéo que Bachirou t'a invité ici à Dubaï, j'ai seulement dit que ça, c'est quoi ça, mon frère? Bachirou, go, invité, mais tu m'as fait rêver. Tu te laves comme ça dans ma piscine avec les lunettes. J'ai dit que, yeah, go, go, fou, sans passer à Dubaï. Oh. J'ai dit que quoi? J'ai dit Bachirou, nous, go, invité, mais, ouais, t'as seulement saboté, yo, faut des réseaux sociaux. Bachirou me dit, petit frère, calme-toi. Mais, allez, invité, puis pour voyager, on a like 5 francs, hein, à go, invité, yo. Aussi là, immeuble pour Bèche Khalifa, oh, donc, go, des go, donc, go, guetter sa mère et tout. Moi, mais si la vaille demain, répète. T'inquiète pas, le vieux. Ils ne t'ont pas compris, ils ne peuvent pas te comprendre. Mais moi seul, le fédérateur national, je te comprends. Parce que nous, nous sommes dans le futur. Et ils sont au passé. La misère, répé, le pâté, Ayo Africa, les libérateurs, ma faute téléphone, connectez-vous, connectez-vous. Bon, le mot que je peux avoir pour mes fans, c'est que ce que je suis en train de voir depuis que j'ai pris la route, ce que je suis en train de voir à l'extérieur vraiment m'éblouit. Et je ne vais pas vous mentir que mon entrée à Dubaï d'abord me fait avoir honte. Ça me fait avoir honte de moi et de nous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.